Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo balade. Voilà, je me trouve à Saint-Martin-les-Langres, dans le secteur de Langres, voilà, en Haute-Marne, département de la Haute-Marne, pour une balade en mobilette et de roues, autres deux roues motorisées, voilà, les 50cc. Et je vais vous montrer cette journée de balade. C'est organisé par les barbus du 52, voilà, c'est eux qui organisent la balade. Donc, je vais vous montrer cette journée, voilà, on est déjà rassemblés là-bas. Et puis on va profiter de cette belle journée. Allez, c'est parti, on y va. On est le samedi 25 mai 2024. Voilà, donc je vais montrer les machines des participants. Bon, peut-être tout le monde n'est pas arrivé. Voilà. Des Peugeot. KTM, ça l'avait pas mal. C'est une vintage. Bon, Solex 5000 que j'ai utilisé pour le motoclub de Chalaret et que j'utilise encore aujourd'hui. Cette année, tu vas me voir beaucoup avec. Voilà. Je vais pas mal m'en servir, après tout. Hein. J'ai fraîchement restauré, autant s'en servir. Voilà. Pas mal de Peugeot 104. Voilà. Une Jalis, Peugeot. Voilà. Peugeot. Voilà. Voilà les mobilettes des participants. Ah, une MBK. MBK Club VR, voilà. Voilà. Mobilette Kenny. Voilà. Une 881. Peugeot. Voilà. Les mobilettes des participants qui sont là. Une MBK Club. C'est vrai que les clubs, ça a été un succès chez MBK. Motobécan, mobilette. Voilà. Donc voilà les mobilettes des participants. Donc ils sont là en train de prendre la petite course casse-croûte, on va manger un petit morceau, on va s'équiper et puis on va partir. Allez, on continue. Bon bah les passionnés, petite péripétie là, on a trois machines en panne, dont la mienne, et puis de toute façon on va continuer, on va finir directement au repas. Malheureusement, voilà, petite péripétie, et on continue. Bon bah voilà, on est arrêté devant le lac de Villegusien, ah, Villegusien le lac, c'est le nom de la commune, donc lac artificiel avec un barrage là-bas, voilà, donc le lac sert à alimenter le canal entre la Bourgogne et la Champagne, le fameux canal fluvial, voilà, qui avait une navigation. Voilà, et puis la plupart des participants se sont arrêtés là pour la petite pause casse-croûte de 10h, 10h30, voilà. Donc ça c'est le véhicule d'assistance, voilà, une Audi Allroad, voilà. Voilà, donc le véhicule d'assistance. Malheureusement, bah, il y a encore un qui est en panne, je te l'ai montré précédemment, là. Voilà, mon Solex est dedans. Voilà, je vais voir boire la
casser la croûte et moi aller boire un petit coup. Voilà, tiens, bah, je vais te montrer ce que c'est. Voilà. Un petit vin, c'est le vin d'Alsace. Oui, là, d'Alsace. Voilà, voilà. Là, d'Alsace. Et un petit casse-croûte. Oh, regarde le casse-croûte, qu'est-ce que c'est bon. Il y a quoi de se régaler là. Allez, bon appétit. Bon, bah voilà les passionnés, il est midi. Voilà, il est midi et quelques. On va pas tarder à manger. Malheureusement, j'ai dû laisser mon Solex à Saint-Martin-et-Lan. Là, je pense qu'il y a un problème électronique. Faut que je vois ce qui va pas exactement. Et là, voilà, tout le monde est à l'abri. Voilà, avec les mobilettes. Je couvre un peu la caméra. Donc, s'il y a un petit manque de lumière à la caméra, à l'image, c'est parce que j'ai la main juste au-dessus de ma caméra. Voilà, pour qu'elle ne prenne pas trop l'eau. Voilà. Et là, je vais m'abriter. Voilà. Donc, pour information, on est à Montsoujon. Montsoujon, qui est un petit village réputé pour un petit vin de Haute-Marne, voilà. Vin au Marnais, vin de pays, voilà. Montsoujon, voilà. Et puis là, on va s'apprêter à manger. Allez, on continue. Bon, ben voilà les passionnés, ça y est, on a terminé de manger. Voilà, c'était la fin du repas. On s'est placé là-bas sur les tables. Là, les participants sont en train de se préparer pour le retour, voilà. Voilà, tout le monde est prêt, exactement. Et moi, malheureusement, mon Solex est retourné à Saint-Martin-et-Lang, hein, donc je serai en voiture, et on va poursuivre le parcours, et puis je vais vous montrer ça. Allez, on continue. On a bien mangé, le repas était bon, et le petit vent serait bien tendu. Allez, on continue. Bon, voilà les passionnés, là, il y a le rassemblement pour la photo, voilà. Il y a deux personnes qui prennent la photo. De groupe, malheureusement je ne serai pas dessus, voilà. Donc je suis en voiture avec un des participants qui a aussi un problème technique avec sa mobilette, mais voilà, on va aller poursuivre là et puis on va faire quand même le parcours mais en voiture. Bon, ben voilà les passionnés, petite pause au bord du lac de la Liesse, voilà. La Liesse, là-bas on a au fond la ville de Langues, voilà. Donc voilà, on est au bord du lac de la Liesse, surnommé dans le coin la petite mer, voilà. Voilà, avec les mobilettes des participants. Et là, sans mon Solex, voilà, problème d'allumage. Malheureusement, je profite quand même de suivre le parcours, mais sans ma machine, voilà. Donc on est tous là pour la petite pause, voilà, histoire de boire un coup, de se reposer et surtout de reposer son air-train, parce que être longtemps sur une selle, ça fait mal au derrière. Allez, on continue le parcours. Bon, ben voilà, petite fin de pause, c'est reparti. Direction Saint-Martin-et-Langues, on va aller au lac de Charme, voilà. Autre lac, on va aller voir, lac de Charme. On a vu ce matin le lac de la Mouche, on est passé devant, lac de la Mouche. Et puis là, direction lac de Charme, après le lac de la Liesse, voilà. Je vous filme leur petit démarrage devant le lac de la Liesse. Allez, le poète, tu vas bien. Allez, laisse démarrer. Allez, c'est parti. Hop. Ah bah si on fait tomber en bras les mobilettes. Et puis moi j'allais avec mon complice. Allez, c'est parti, on continue. Direction le lac de Charme. Bon, ben voilà les passionnés, nous sommes dans le petit coin des Tilleuls. Voilà, c'est le coin de Saint-Martin-les-Langres. Je suis revenu avec mon Solex. Je n'ai pu pas faire grand chose. Hein. Pas un noix dans le rocheux. Et puis après, plus rien. Pas moyen de démarrer. Je vais rentrer là ce soir chez moi pour démonter la partie allumage et regarder ce qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est peut-être le condensateur, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il n'y a plus d'étincelle à la bougie. Voilà, donc c'est sur cette fin de vidéo que je vais conclure. Et je vous dis merci de votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Prochaine vidéo, Piné. Voilà, Piné, bourse et balade. Piné. Allez, à plus. Merci de votre attention.
Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.